et au mardi sur un petit maxi qui était parti à New York à l'époque, qui a été tiré en 300 exemplaires. Après, je suis rentré dans Dia Abuse en 93. Je fais les bacs pendant 5 ans. Après, j'ai lâché un peu, ils ont signé en major. Moi, je suis parti, j'ai fait ma route. On travaille avec Express D, on travaille avec 113, on travaille avec Joey Star à l'époque, on travaille avec tout le monde. 97, Gaz Mon Petit. Après, ça a continué. 2006, les prémices. Et aujourd'hui, la tête de base, ma man. Ah, on allait à Stalingrad, on est dans le 20e, on voyait les gars tagués. Et puis je suis parti à Madrid, je me rappelle, on avait quoi? On avait 12 piges avec ma mère Jill Tismay. On est parti là-bas, on est allé taguer et tout. Et puis on est là depuis le début quoi. Puis 86, 84, c'est là que ça a commencé avant même. On sortait les cartons, on dansait sur la tête. Les gens ils nous prenaient pour des fous même. Je me rappelle, on était môme, on était minots. Blandem show, ça veut dire mon gars les explose. Blandem, c'est mon gars, c'est mon sauce. C'est mon gars qui se vénère. On n'entend plus rien, on l'écoute plus, on se dit c'est qui celui-là. C'est un collectif. Mon Blandem, c'est le nom de mon label. J'ai monté le label en 2001. J'ai sorti les prémices dessus. Je suis avec mes gars du 20e. Il y a XX, Silis qui est dessus. Il y a mon gars Dore Cappuccino qui a sorti une mixtape. Mon Blandem, là, au Portugal. Tu la trouves sur le net aussi. Mon Blandem, c'est un label, mais c'est un label de gars indépendants. C'est un label de gars qui font leur paille, qui font leur son, qui produisent leur bordel et qui ont besoin de personne. C'est ça, Blandem Show. Ouais. Je dis, fais ton truc, poteau. C'est la track 6 dans Gaz Mon Petit. Fais ton truc, ça veut dire t'as besoin de personne. Game. Allez tous vous faire enculer, moi c'est ça le message. Le message c'est que je fais mes bails, c'est que je produis mes sons, poteau, c'est que je joins personne. C'est qu'on est là sur Facebook, on est là sur YouTube, on communique, on s'envoie des instrus, on se renvoie des acapella, on fait des trucs. Quand on se retrouve, on fait des scènes et puis on bouge quoi, on bouge pour le hip-hop. L'amour du hip-hop. On est là, il y a de tout, il y a tout le monde. Je reçois des instrus, tout le monde, des petites 20 piges qui font des instrus qui tuent. Ils envoient les instrus, moi je kick, je leur renvoie sur le net, tac tac tac, c'est interactif. Et puis on fait des sons, puis je propage des sons un peu partout. J'ai des sons au stage, des sons à Montréal, des sons en Allemagne, des sons en France, dans toute la France. Ça bouge jusque dans le sud, big up. Parce que le rap c'est dead, parce que les majors elles ont tout niqué. Parce qu'une fois que tout le monde a pu faire du son gratuit chez lui, elles ont pris tout leur oseille, elles l'ont mis sur la com et sur les tournages, sur les tourneurs de concerts. Donc il n'y a plus de place. Ils ont validé allez, une dizaine de rappeurs sur le marché, puis tous les autres sont partis se faire enculer. Mais on va passer par ailleurs. Non, non, la suite elle est bonne, t'inquiète, la tête de Paz. Derrière on risque de sortir la tête des boss du rap, c'est du lourd poteau. On s'en fout, on n'a pas besoin d'eux, on va tout faire nous-mêmes. Tirer des putes sans argent, c'est chaud mon vieux. Donc aujourd'hui, il faut tirer les manettes, tirer les ficelles soi-même et puis Blandem Show quoi, on est là. Ce qui motive, c'est les sons qu'on peut sortir. Hein. On se remet en question à chaque morceau. Sur chaque son, c'est refaire un feat, refaire un solo, donner le thème qu'il faut. Et puis jamais lâcher quoi, jamais, jamais. C'est ça l'amour du rap, poteau. L'amour qu'on lui donne, c'est ça.